C'était cet après-midi l'occasion une nouvelle fois de faire le point sur l'activité de la juridiction qui traite des conflits entre les salariés et leurs patrons. Avant qu'Hélène Gonsalves ne prenne ses nouvelles fonctions de présidente, son prédécesseur Alain Colbois a dressé le bilan du tribunal en 2011 et le contexte économique au bois a beaucoup joué visiblement. Écoutez-le. Donc l'année 2011, c'est une année qui s'est déroulée tout à fait normalement, avec toutefois un afflux des dossiers de plans de licenciement. Et en face de cet afflux, on aurait pu penser que le nombre d'affaires nouvelles aurait augmenté, ainsi que les délais de traitement, mais il n'en a pas du tout été ainsi, puisque en fait, le nombre d'affaires nouvelles en 2011 était de 563 contre 776, par exemple, pour l'année dernière. Donc, en réalité, si on retire ces dossiers de plans sociaux, nous avons eu moins d'affaires à traiter en 2011 qu'en 2010.